Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois pour un live Facebook Rock Rider. Aujourd'hui, nous sommes au cœur des Vosges pour vous présenter l'offre All Mountain de Rock Rider. Je suis accompagné de Raphaël qui n'est autre que le chef de produit. Raph, comment vas-tu? Je vais très bien, merci Fred, d'autant plus qu'on est au cœur des Vosges, donc c'est encore plus cool. C'est vrai qu'on a eu un accueil météo hier orageux, l'accueil vosgien paraît-il. On croise les doigts pour ce soir, en tout cas on s'est couvert de bâches équipé. Pour qu'on puisse effectivement faire une heure de live ensemble. Alors au sommaire, on aura une petite introduction sur la gamme All Mountain. On passera ensuite à la présentation de la gamme vélo. On répondra aux réponses, en tout cas aux questions que vous nous aurez formulées du coup en live. Donc préparez vos petites questions pendant qu'on vous présente les vélos. On y répondra pendant 10 minutes à l'issue de la présentation de la gamme. On passera ensuite à la présentation du textile. Encore un petit moment de questions-réponses. Et puis ensuite, conclusion, on se dira au revoir. Et puis on ira faire un petit tour de vélo à l'issue de ce live. Raph, on commence par les présentations. Peux-tu nous rappeler ce que tu fais chez Rock Rider? Bien sûr, Fred. Alors, Raphaël, c'est mon prénom. Je suis italien, sinon c'est Raph pour tous les collègues. Je suis chez Decathlon depuis pas mal de temps, ça fait 21 ans. Mais chez Rock Rider depuis un an et demi, donc j'ai rejoint cette belle famille, ces collègues, pour moi c'est, on va dire, presque une famille, je dirais, parce que je passe beaucoup de temps avec mes collègues, ouais. Même après cette année difficile de Covid. Et justement, on est plein de métiers différents. Donc je ne travaille pas tout seul, loin de là, je fais partie d'une belle équipe d'ingénieurs, de designers, de prototypistes, de modélistes, de plein de gens qui bossent derrière ces produits. Et je n'ai pas cité plein d'autres produits et plein d'autres collègues, mais c'est ce qui est cool chez Rock Rider, c'est vraiment ça. Et dans mon métier, qui est celui de chef de produit, clairement, je travaille avec tous mes collègues pour l'offre de produits textiles, des produits équipements et des vélos, bien évidemment, sur la gamme Mountain de Rock Rider. Une voilà, équipe Fred. Conviviale, humaine chez Rock Rider. En tout cas, nous, on a passé la journée à installer ce plateau. Il y a eu une bonne ambiance. On sent que voilà, ça a envie de faire progresser le produit et d'aller dans le bon sens et de quitter un peu l'image qu'on pouvait avoir de Rock Rider historique, qui était juste un distributeur de vélos. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un vrai développement de la conception. Voilà, on est dans le vrai métier de faiseur de vélos et pas seulement de distributeur. Absolument, avec toutes les difficultés aussi, surtout après cette année que nous tous on a vécu, hein, qui était difficile, de pandémie. Globalement, il faut entre 18 et 24 mois pour du début du lancement d'un produit avant de le trouver dans nos magasins ou sur le web. Donc clairement, on était en plein dedans quand on a lancé ces quelques produits qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais on l'a quand même fait, toutes ne sont pas des nouveautés. Mais par contre, ce sont des mises à jour, nos best-sellers, avec quelques touches pour améliorer et rendre encore plus pertinents nos produits. Très bien. Justement, je parlais d'historique chez Rock Rider. On a beaucoup effectivement vu les vélos cross-country. C'est vrai que c'est une gamme qui s'est largement étendue, qui se développe. On a beaucoup d'éditions limitées. On sent que c'est une gamme qui est arrivée quelque part, en tout cas dans sa maturité, qui est bien lancée. Le All Mountain, c'est un peu plus nouveau chez Rock Rider. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la philosophie que vous amenez sur le All Mountain by Rock Rider? Yes, Fred. Effectivement, pour moi, c'est le premier live pour présenter des produits et ce n'est pas un hasard. Effectivement, le programme All Mountain, c'est bien plus jeune que sur d'autres programmes chez Rock Rider, notamment sur le cross country, avec lequel mon collègue Pierre, il est désormais un habitué, exactement, ouais, un habitué sur le live cross country, parce qu'effectivement, on est arrivé un peu plus tôt sur les marchés avec des produits. Ouais. Et sur la gamme All Mountain, petit à petit, on essaye d'arriver à retrouver le même niveau de pertinence que nos collègues du cross country. Et en quoi consiste le programme All Mountain chez Rock Rider? Clairement, c'est tout le programme qui est plutôt orienté sensation. Moi, je l'aime bien de définir comme ça. Certainement, sensation de pilotage, entre autres. Parce qu'en VTT, on monte, on descend. Bien évidemment, quand on parle de All Mountain, c'est un peu le descriptif en anglais. C'est toute montagne, donc qui dit montagne dit montée, dit descente, dit pilotage. Donc clairement, c'est une gamme qui a cet ADN des sensations, de fun, de recherche, de pilotage, chacun à son propre niveau.
parce que tout le monde n'est pas des pilotes. Et ça fait partie de l'ADN de Decathlon et de Rock Rider de le rendre accessible, de rendre accessible le sport, et donc dans notre cas, de rendre accessible le pilotage pour tous les nouveaux riders. Très bien, Raphaël. Avec effectivement, c'est une belle introduction pour présenter la gamme. Je te propose de passer à la présentation de la, du coup, de la gamme vélo. On fera le textile après. Préparez bien effectivement toutes vos questions. On va y répondre dans un temps. En fait, on a prévu un timing pour répondre à toutes vos questions. Si on ne répond pas à toutes vos questions, on le fera ensuite via les community managers de Rock Rider et ils se feront un plaisir de vous répondre un peu sur du live. On commence du coup par quel vélo, Raph? Moi, j'ai noté AM50S, mais ouais. Juste avant, je te propose juste d'ajouter quelques mots sur le contexte. Ouais. J'ai parlé tout à l'heure de l'année passée après cette pandémie. Il y a eu clairement quelques répercussions sur notre métier, sur la conception de nouveaux produits. Bien sûr, vous l'avez vu, je pense, tous dans les magasins. On a été pris d'assaut, ouais. Dès la réouverture après le premier confinement. Donc il y a eu une demande très, très, très grande. En même temps, par contre, il y a eu la production qui s'était arrêtée. Donc l'un dans l'autre, ça a créé des difficultés. Et depuis, en fait, clairement, le monde du vélo a une très forte demande, le VTT en particulier. Et la production, elle a un peu du mal à suivre ce rythme. Donc il a clairement des retards. C'est pour ça qu'on est en fin juin, ouais. Et on présente des vélos qui arriveront dans les prochaines semaines. Et on n'est pas en février, où normalement ça devrait être le lancement de la nouvelle gamme. Et c'est pour ça aussi qu'on ne présente pas toutes les nouveautés qu'on aurait aimé présenter, et qui sont dans les soutes. On y travaille de façon continue avec toute l'équipe, et qui arriveront au fur et à mesure. Donc clairement, ce qu'on va présenter aujourd'hui, ce que je vais te présenter, je vais présenter à tout le monde, c'est une gamme qui a été mise à jour, clairement, dans laquelle on a ajouté des modèles avec la cible d'accessibilité, encore une fois, sans avoir des grosses nouveautés de zéro sur lesquelles, petit teasing, on aura courant 2022 les produits qui arriveront. Allez, on passe à la présentation du coup de la fameuse gamme AM50S, yes. Le premier vélo. On va essayer de faire une montée en gamme pour que ce soit clair d'un point de vue spectateur, yes. De comprendre un peu peut-être comment vous l'avez construite, quel est le premier modèle, et puis ensuite comment vous avez fait évoluer chaque vélo. Oui, alors du coup… Je te laisse bosser du coup, Raph. Ouais, moi, je reste assis tranquillement assis. Avec mon café. Effectivement. On commence par les vélos tout suspendus, ouais. Fred. Effectivement, en faisant AM50S. Après, on passera, je fais entre le 100S et le 50S, je passerai pour une petite mise à jour qui est intéressante. Sur du hardtail, il y a beaucoup d'attentes sur ces vélos. Du coup, si on refait un point sur le 50S, c'est un tout nouveau modèle, pour le coup, dans la gamme. C'est-à-dire qu'on l'a ajouté par rapport à l'année passée. Et pourquoi on a ajouté ce modèle qui a pas demandé en réconception de cadre, c'est-à-dire que le cadre, c'est exactement le même qu'on retrouvera sur le 100S. Par donc contre, on a… C'est la même base de cadre, effectivement, que sur le 100S. Absolument. C'est exactement le même cadre, donc la même géométrie, la même cinématique. C'est exactement le même cadre. C'est un cadre qui est fiable et qui fonctionne bien. Et du coup, on a choisi de rester sur ce base de cadre pour rendre un vélo encore plus accessible. C'était vraiment la clé d'entrée. Au début, moi j'ai dit toujours, il faut avoir en tête quel rider nous sommes pour choisir un vélo et aussi dans quel terrain de pratique. Qu'est-ce qu'on va aller faire avec le vélo, quoi. Voilà, okay. Est-ce qu'on habite en colline, en moyenne montagne, à la montagne, et ça peut changer par rapport au vélo qu'on va choisir derrière. Sur ce vélo, on est vraiment sur un vélo, sur un VTT qui nous permet d'apprendre le pilotage. D'accord. On est au début de notre segment de pilotage, donc un vélo plutôt polyvalent. Clairement, on n'est pas sur… on a un vélo qui a un meilleur compromis entre un bon rendement en montée et des bonnes sensations de pilotage en descente. D'accord. Donc il ne sera jamais si performant qu'un vélo de cross-country, bien par sûr. Exemple, en montée. Mais par contre, il sera vachement plus performant et avec plus de sensations. En descente, effectivement, plus à l'aise. Et offrant un peu plus de absolument. Pilotage. Et… plus de franchissement, plus de stabilité à haute vitesse par rapport à des vélos de cross-country, par exemple.
Et si on fait un focus du coup sur ça, bah, on retrouve quand même des débattements fourche avant et amortisseur assez importants parce qu'on est à 140 mm, bien évidemment. Sur ce vélo, il y a une particularité d'avoir des différents taillons de roues, taille des roues entre les taillons de vélo. C'est-à-dire que D'accord. sur la taille S, M, on est en 27 pouces et demi pour privilégier la maniabilité globalement pour des plus petits gabarits. Tout à Et fait, sur de pour L, tourner un peu plus facilement. exactement, exactement. Et sur le LXL, on passe à des 29 pouces, comme sur le modèle qu'on voit ici. C'est un XL en 29 pouces pour améliorer un peu plus la stabilité. Et étant donné qu'on a un plus gros gabarit, on a plus de facilité à amener le vélo. Tout à fait. Particularité qu'on retrouvera sur tous nos vélos, pardon, Toute la gamme du coup All toute la Mountain. gamme All Mountain, c'est la tige d'aisselle télescopique. Ok, en première montre, c'est-à-dire Première que deux monte, séries. absolument, des séries. Les modèles qu'on présente ici, c'est vraiment les modèles de séries. C'est bien Donc, ça. Très bien. tous, ils ont tige d'aisselle télescopique qui a un débattement différent selon la taille. Donc, 120, 150 si vous êtes en SM ou LXL. Mais pour tout, ils sont des séries avec la commande sur le centre. C'est plutôt une nouveauté ça dans la gamme. Ce n'est pas une Ça nouveauté. fait partie des upgrades justement Ouais, que vous avez fait. c'est déjà. En fait, réellement, la gamme All Mountain est arrivée l'année passée. Avec, on le verra tout à l'heure, c'est un modèle qui est déjà connu, le 100S, parce qu'il a été lancé en 2020. Et effectivement, c'est quelque chose que, de première monte, on a sur tous nos vélos. À différence de cross-country, où on a encore une tige d'aisselle qui est classique, Bien donc sûr. pas télescopique. Autre chose, on verra un peu la différence avec le 100S. On a fait le choix d'avoir une potence un peu plus longue et un cintre plus étroit, justement pour rendre le vélo plus polyvalent et avec une prise de main plus facile, un peu moins orientée pilotage et un peu plus polyvalent par rapport à la M100S, comme on verra tout à l'heure. Voilà pour la M50S. Après, si, comme toi dit tout à l'heure, il y aura plein de questions, donc on rentrera plus de détails si besoin de ça. Effectivement, j'allais effectivement faire une relance auprès de nos spectateurs de bien poser vos questions. On y répondra après. Rassurez-vous, hein, ils ne sont pas dans le vent. On a pris un timing pour répondre à vos questions. Pas de souci. Est-ce que tu as fini sur le M50S ou est-ce que Je pense globalement, qu'est-ce qu'il faut que, retenir alors, sur ce ce qu'il vélo? faut retenir, c'est un vélo pour apprendre le pilotage, Ouais. clairement. Donc, on est déjà sur le segment Donc, ça, pilotage, c'est mais parfait pour pour le pote qui a envie apprendre. de se mettre au vélo. Le cross, ça ne l'intéresse pas tellement. Il a envie Voilà, d'un peu plus de il a sensations. envie de se faire plaisir dans les descentes. Il a envie d'avoir un rendement qui est honnête, très honnête en montée. Et il habite en colline, en moyenne montagne. Donc, c'est vraiment le vélo idéal. Je rappelle le prix Ouais, parce que c'est ce c'est que quand même j'allais te dire, important. effectivement, pour le 1300, pote qui commence, tu vois. 1399 euros. Donc c'est un vélo qui a moins de 1400 euros. Bah, il a tout ce qu'il faut. Une transmission 1x12, une fourche de 140 mm RockShox. Donc vous avez vraiment de quoi vous équiper avec un budget très raisonnable, Fred. Un vélo crédible, en tout cas, pour pratiquer le All Mountain en tant que Exactement. débutant. Beau boulot, Raph. On passe au Hardtail? Ouais, on fait un N'hésite pas, petit. si tu as encore des choses à dire, tu me coupes, Ouais, hein, bah on mais. verra après avec les questions-réponses. Ouais, carrément. On peut passer à l'Hardtail. Absolument. Donc, ce petit bijou, parce qu'il a suscité pas mal de questions quand on l'a présenté à la presse, notamment, parce qu'effectivement, c'est un vélo qui existait déjà en tant que cadre en 2020, mais il était arrivé assez tard. Et bah, on est rentré dans la pandémie et pas beaucoup de communication, donc il n'y avait pas beaucoup de quantités non plus, donc il est passé un peu inaperçu. On a choisi quand même de faire une mise à jour parce qu'il y avait eu des remontées de la part des utilisateurs qui me disaient bah, cette composant-là, il faudrait la changer, ces composants-là aussi. Donc on a pris on a écouté ça. Et clairement, avec l'équipe, notamment avec Zigor, qui est l'ingénieur avec lequel j'ai travaillé sur ce vélo, bah, on a choisi de faire une mise à jour des composants, toujours en restant sur cette base. Ok. Alors, c'est un hardtail, donc clairement, c'est un vélo qui est moins confortable suspendu. Et Certes. certainement, il est sur du terrain cassant, voilà, moins rapide. C'est un peu plus joueur, on va dire. Par contre, exactement, tu as utilisé Effectivement. le bon mot, Fred, c'est plus joueur. C'est un vélo que, par contre, si vous habitez en colline ou en moyenne montagne et vous avez envie de faire des terrains, des chemins plutôt flots, très, on va dire, pas trop cassants, c'est vraiment un vélo dans lequel vous pouvez vous amuser
revenir avec une grosse banane, ouais. Parce qu'il a déjà une géométrie orientée pilotage, avec une direction bien ouvert. Assez sécurisant finalement pour exactement, un peu assez sécurisant. Et lâcher les freins. Ouais. Fourche de 130 mm, donc on commence à avoir vraiment ouais. un débattement un peu plus intéressant. Toujours notre tige d'aisselle télescopique qui est bien présente. Et ça te permet aussi d'avoir des phases de pédalage aussi intéressantes avec le hardtail qui va quand même offrir un rendement assez... Clairement, tige d'aisselle télescopique, même si l'objectif principal c'est ouais. d'améliorer la sécurité pour ceux qui commencent dans les descentes ouais. et pour engager un peu plus pour ceux qui pilotent. Par contre, avec une tige télescopique et un cadre hardtail, clairement vous avez un vélo qui a un rendement très très bon dans les montées. Certes, avec une position... Bonjour madame, désolé de la directe, c'est parfait. avec une position un peu plus relevée, ouais. que sont en cross-country, avec un cintre plus large, une potence plus courte. Vraiment, on est dans le segment pilotage. 27 pouces et demi sur du taillon SM et 29 sur du LXL, pour les mêmes raisons que je disais tout à l'heure. Et les upgrades sur ces modèles, en plus de la cosmétique, ouais. on les a fait sur toute la partie transmission et freinage. C'est-à-dire qu'on est passé en full Shimano dehors. Donc c'est un 1x11, mais avec une bonne plage de développement. Ouais. Parce qu'on est quand même avec un 11-51. Donc vous pouvez quand même grimper par les murs, comme on dit, avec un plateau des 30 à l'avant. Donc vraiment de quoi il faut, de quoi vous en avez, même si vous êtes à la montagne, vraiment avec un 30-51, vous pouvez grimper sans problème. Et les freins aussi, on est passé sur du Shimano, c'est des MT200. Donc, ils nous avaient fait quelques remarques sur les freins Tektro de l'année passée. Tektro, il fait des très très bons freins, mais il y a eu quelques soucis à l'époque. Bon, on a choisi la carte de la sécurité et on est passé... effectivement sur Shimano, comme on dit en italien, avec l'accent italien, Shimano. Mais sinon Shimano comme, avec l'accent français. Voilà pour ce petit vélo. Je sais qu'il a été testé par quelques magazines spécialisés. Ouais. Donc je pense que ce mois-ci ou le mois prochain, vous aurez quelques articles qui vont parler de lui. Et je pense que par rapport à la version d'origine, la seule différence de les tests, et je fais un petit teasing par mon collègue, ouais. c'est qu'il a été équipé avec cette montre là. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on ne les a pas encore lancés officiellement. Entre nous, on est tranquille, on est ouvert. Voilà, mais clairement, on va lancer une nouvelle gamme de pneus cet été. Bike Rock Rider, absolument. On a commencé par la catégorie grip. Donc clairement, des pneus orientés pilotage, et comme le nom l'indique, qui sont vraiment faits pour avoir un contrôle et un grip très fort. Donc dans quelques articles, vous retrouverez des premières impressions aussi sur les pneus, en plus que sur le bike. Je me permets, Raph. C'est vrai que tu les avais cachés en fait, tu m'en as pas parlé avant le live. Oui, parce que il faut pas trop non plus, c'est du teasing. Est-ce qu'on peut quand même cadrer sur le... Je me fais taper sur les doigts par mes collègues. Grip, du coup, les pneus développés par Rock Rider, c'est une nouveauté aussi. Absolument. Mi-secrète. Il y aura une gamme de plusieurs modèles avec plusieurs dimensions aussi. Ok, 29, vous allez faire à la fois effectivement sur le cross-country, le all-mountain. Il y aura ça au fur et à mesure. Là, cette année, on va lancer vraiment les pneus de la catégorie grip. Ok, et c'est des pneus qui sont vraiment développés par vous, par vos équipes, quoi. Absolument. Okay. Nos ingénieurs, nos designers, nos chefs de produits. C'est quoi l'ambition, quelque part, sans trop en dire, mais d'avoir voulu justement développer vos propres pneus Le Rock Rider, en général, on les verra tout à l'heure avec l'équipement. Ouais. On n'est pas juste une marque qui fait de vélo, une marque qui est autour de l'usage complet. On développe la panoplie complète. Donc l'équipement complet, ouais. Du casque aux chaussures, en passant par les gants et le textile, on développe des vélos et au fur et à mesure, quand nous pouvons et nous avons la possibilité d'avoir les compétences, on lance des composants. Entre autres, on a choisi de lancer au fur et à mesure notre gamme des pneus. Mais je pense que il y aura un moment cet été spécifique et dédié sur ça. Trop étalé, effectivement. En plus, on a encore un vélo à présenter. On avait prévu de passer une vidéo avant de présenter ce vélo.
À la limite, ce que je te propose, c'est tant que tu es debout, si la régie est OK, tant que Raph est debout, on passe la vidéo après. Ça sera une bonne conclusion pour voilà, justement encapsuler ta présentation. Et tant que tu es debout et à côté du vélo, je te propose de présenter le AM100S. AM100S, le Bestseller, c'est-à-dire que produit lancé en 2020. Et qu'on a continué à proposer pour 2021. C'est le vélo qui est roulé par Quentin Derbier, entre autres. Qui participe au développement du coup. Absolument. De Quentin Derbier, depuis un an et demi, ouais. Il travaille avec nous comme partenaire technique. Quentin Derbier, il était champion du monde de la discipline four cross, ouais, en 2018. Il est partenaire technique sur le programme All Mountain, donc il nous aide. On a parlé des pneus tout à l'heure, il nous a aidé un peu sur ce développement des pneus. Il n'était pas le seul, mais il nous a donné quelques feedbacks. Le développement des vélos, pareil. Et sur plein des produits, il nous aide vraiment à rentrer de plus en plus dans les détails et d'être plus pertinent, clairement. Très bien, t'ai coupé, je te laisse poursuivre sur le... Mais t'as raison, Fred. Et sa patte, on la verra au fur et à mesure dans les prochains développements. Parce que on est arrivé presque en même temps. Et ça prend du temps de développer des produits. Certes. Et du coup, la M100S, best-seller, il est arrivé en 2020. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de quantités en 2021, il y en a eu quelques-unes, mais il y aura, je pense, en semaine 29, si je ne me trompe pas, un arrivage d'une bonne quantité. Quantité disponible en magasin. Quantité disponible, effectivement. Dans cette période, comme je disais au départ, c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de clients qui nous regardent, qui vont nous voir, mais surtout qui passent dans nos magasins, qui nous disent vous n'avez pas assez de vélos. Oui, malheureusement, c'est une réalité, il ne faut pas la cacher. C'est une période très tendue. Petite pensée à tous les collègues qui sont en magasin et qui doivent l'expliquer plusieurs fois par jour. On est dans ce contexte, donc effectivement, il y a des quantités disponibles qui vont arriver sur la M100S en semaine 29 et sur les deux autres modèles qu'on a vus tout à l'heure, pareil, de semaine 27, 28, 29, il y aura une première arrivage. Et au fur et à mesure, ils vont rentrer en stock. Alors, M100S, et du coup, AM100S, voilà. Le cadre, ce n'est pas une nouveauté, on en a parlé tout à l'heure. Donc, on est sur une géométrie orientée pilotage avec, par contre, cette fois-ci, on retrouve une fourche à 150 mm à l'avant. Et avec des périphériques vraiment plus orientés pilotage par rapport au 50S. Pourquoi? Parce qu'on a une potence plus courte, ouais. On a un cintre plus large, et clairement, avec une fourche de 150, on a un vélo qui est plus apte à piloter en descente, et surtout, on parlait des terrains, à rouler sur des terrains cassants. Je pense que vous le verrez dans la vidéo juste après ouais. Dans laquelle... Charles, un de nos collègues d'ailleurs, qui est là en régie en ce moment, vous verrez, il roule bien engagé. Donc, vous pouvez rouler avec des terrains engagés avec ce vélo. Ce n'est pas un vélo d'enduro non plus, mais vous pouvez rouler vraiment sur des terrains cassants. Autre particularité, les pneus. Vous voyez quand même par rapport au 50S, toujours en écriture Toro entre le 50S et le 100S. Effectivement, à l'avant, on retrouve un taureau. Par contre, il est en 2,35 et pas en 2,25. Donc, il est un peu plus large, ouais, pour avoir une meilleure stabilité, un peu plus de contrôle. Ouais. Exactement. Et il a une gomme plus performante par rapport au modèle. Un tout petit peu plus tendre, j'imagine. Exactement. Rapport à son exactement. Exactement. Un peu plus tendre pour justement arriver avec un grip plus fort et un contrôle plus fort, majeur, du coup, dans les virages. Et pareil, à l'arrière, on retrouve la même gomme et la même catégorie des pneus. Par contre, un taipan, okay, un taipan qui est un peu plus roulant qu'un taureau. Donc vraiment avec ce combo qui privilégie le contrôle à l'avant et un peu plus de rendement à l'arrière. Voilà. Sinon, 1x11. Cette année, petite nouveauté, effectivement, on est passé à un plateau de 30 dents et pas de 34. Celui-ci, peut-être qu'il est encore en 34, mais cette année, on a passé avec un 30 dents. Parce okay. qu'il y avait beaucoup de, notamment, clients qui nous avaient dit que sur la première version 2020, c'était un peu trop difficile à engager, notamment ouais. sur les montées très raides. Ouais, même avec un 50 à l'arrière, c'est... Voilà. Et du coup, on a passé à un 30 à l'avant, ce qui permet vraiment de franchir des montées plus raides. Plus d'excuses.
maintenant. Oui, il faut quand même les pattes. Exactement. Exactement. Voilà. Une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, et j'en profite parce que je le vois dans mon champ de vision, c'est tous nos vélos de la gamme, ils sont équipés de ce qu'on appelle un computer stem. Donc, en gros, on le bloque directement ici. Là, c'est en contre-jour. Stem, justement, c'est le haut de ta douille de direction qui permet d'accueillir un Garmin. Exactement. Bon, là, je suis en contre-jour, je suis désolé, donc je ne vois pas trop. Et voilà. Voilà. Ok, donc c'est intéressant, pas besoin d'avoir le support Garmin qui pas besoin d'avoir le support. Bon, ici, vous avez retrouvé la Dragon. Moi, je l'utilise tout le temps pour ne pas le perdre. Ouais. Parce que ça peut arriver que, justement, vous avez. Ça, c'est de croche. Bah, donc, vous fixez comme ça. Et tout intégré, pareil, des séries, il ne faut pas le commander en plus, c'est une petite astuce malin. Le petit truc en plus, voilà, quoi, qu'on a choisi d'avoir. Ça ne mange pas de pain, ça ne fait pas de miettes. Je le laisserai ici, du coup. Et c'est de série sur le vélo. Du coup, on lance la vidéo ? On lance la vidéo et du coup, tu vas pouvoir te rasseoir en transition dans la vidéo. Prêt la régie pour la vidéo, c'est parti. Raph, on est de retour, on a eu le retour de la régie comme quoi il n'y avait pas de son sur la vidéo. On va régler ce problème, petit problème technique, on la repassera peut-être ensuite à l'issue. Je te propose d'abord de faire peut-être les questions-réponses, effectivement. On a eu pas mal de questions. Est-ce que tu es prêt à y répondre, Raph ? Je suis prêt. Alors, une première question de... Alors, excuse-moi pour la prononciation. João Massa Ferreira. Donc, voilà, j'espère que je n'ai pas trop écorché le nom. Quand les bikes seront dispo. La question majeure. La question. Alors, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est en dispo, ça dépend du modèle. Donc, il y aura des premières vagues de livraison, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura de la disponibilité infinie. Okay. Hein, il y aura des premières vagues de livraison, quelques centaines de quantités par vélo. Et le premier arrivé, c'est le Hardtail. Ouais. Le Hardtail arrive en semaine 27. Si je ne me trompe pas, on est en semaine 25, donc dans 2 semaines. Puis il y aura le 50S la semaine suivante, donc en semaine 28, dans 3 semaines. Et le AM100S en semaine 29, donc dans globalement 4 semaines. Voilà. Donc ça arrive. Oui, ça arrive. Et encore un peu de patience. Avec quelques centaines de quantités au départ. Et après, bien évidemment, d'autres quantités qui arriveront globalement tous les mois. Donc en août, il y aura d'autres livraisons, en septembre, d'autres, et en octobre, d'autres encore. Donc patience, il n'y a pas de précommande possible particulièrement. Non. C'est quand ça arrive, on peut commander. Sur ces modèles, il n'y a pas de précommande. Par contre, dans tous les sites web Decathlon, on peut en fait créer une alerte. Créer une alerte, exactement, Fred, sur la taille que nous souhaitons pour être informé quand le vélo rentre en stock. Après, c'est le premier qui arrive qui est le premier servi. Premier servi. C'est effectivement. Bon, c'est le plus équitable, je pense, pour tout le monde, ouais, quelque part. Prochaine question de Laurent
l'Holodive. Quid détail, est-ce qu'il y a du XS envisagé? Donc je pense que c'est une question générique sur la gamme. Ou alors une version femme? Alors, chez Rock Rider, on a du S à la taille XL. Ouais. Donc on a 4 taillants. Et il couvre de 1,55 m pour le taillant S. Donc il fait 1,55 m, 1,65 m. Et globalement, c'est tous les 10 cm. Après, vous avez la grille des tailles bien définie sur le site. Et on arrive jusqu'à 1,95 m avec le taille XL. Après, ça c'est à titre indicatif, toujours, moi je le dis tout le temps, ouais. Parce qu'on n'est pas tous fait pareil déjà. Au-delà de notre taille, on peut avoir des jambes ou du buste qui est différent. Donc moi je dis toujours, il faut être un minimum conseillé, il faut l'essayer. Dans nos magasins, on a quand même quelques vélos disponibles en test. Et autrement, clairement, on a pas mal de conseils qui peuvent se faire en ligne. Sur les taillants. Autre point important, c'est lié au style ou ce qu'on recherche dans un vélo. C'est-à-dire que je vous prends un exemple qui est le mien. J'ai acheté le AM100 à mon fils l'année passée, donc c'est la version de l'année passée. Ouais. En taille M, il est ado, donc je lui ai acheté un M. Ah bah, cette année, j'ai commencé à le suivre sur le pump, dans la pump track. Lui avec son vélo de dirt, moi avec l'AM100 Hardtail de mon fils en taille M, qui est parfait. Donc pareil, on peut choisir un vélo, je vous ai pris un exemple un peu extrême peut-être, mais clairement si on a envie d'avoir un vélo qui est un peu plus stable et on est entre deux tailles, on prend la taille au-dessus. Si on a envie d'avoir un vélo un peu plus maniable, on prend la taille en dessous. Très bien, en tout cas merci pour la. On a parlé du coup mais du. Mais par contre, oui. Pas des tailles XS. Pas de taille XS envisagée. Non, quoi. Parce que le S déjà il démarre à 1,55 m. Ouais, okay. Et le modèle femme, alors moi je dis que sur cette typologie de produits, on n'a pas des modèles qui sortent femme en termes d'adaptabilité morphologique de selle, poignée ou potence. Spécifique à la femme. Ça, c'est quelque chose que Rock Rider fait. Sur la gamme rando. Ouais. Nous avons eu le parti pris de ne pas le faire sur la partie pilotage parce que c'est un besoin un peu plus faible. D'accord. Parce qu'encore une fois, la longueur de la potence, elle est moins liée à la position sur le vélo, mais plutôt au style de pilotage. Ouais, et donc, vrai. Il est moins pertinent en homme-femme, mais plus style de pilotage. D'accord. Tu peux être femme et avoir un style de pilotage très agressif, ou être un homme et avoir un style de pilotage plutôt passif plutôt et dans lequel tu es tranquille, tu laisses faire le vélo. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas eu ce parti pris sur la gamme augmentée. Ok, entendu. Question suivante, possible de mettre du 29 pouces sur le AM50S en taille M? C'est possible. Ouais. Parce qu'il est effectivement de série vélo, en 27. Voilà, c'est possible, c'est-à-dire que tous les vélos et tous les cadres ils peuvent accueillir un 27,5 ou un 29 sans problème. D'accord. Par contre, il est vendu avec du 27. Il est préconisé en tout cas voilà. En 27,5 pour pouvoir il est vendu avec avoir ça. Un meilleur pilotage, une facilité à tourner. Après, si tu veux être sur un M et que tu as les bras ou la force d'emmener le vélo, aucun problème pour mettre du 29 du coup. Voilà. Très bien. C'est compatible. Les vélos seront-ils dispo en kit 4 sur D4? Est-ce qu'on pourra juste acheter le kit 4? Non. Sauf pour tout ce qui est SAV, donc le kit cadre, ils sont disponibles pour en remplacement, en garantie. Tous nos cadres en alu, ils sont garantis à vie. Donc à chaque fois que ça peut arriver, c'est rare, mais il y a des casses, sachez que tous nos cadres, ils sont garantis à vie. Donc on a nos produits et nos cadres en catalogue pour justement cette raison. Le poids des... Il y a les questions qui s'appuient sur live, ouais. Effectivement. Le poids des différents... le poids des différents vélos. Si on commence par dans l'ordre avec le AM50S, le AM100 HT, Hardtail, ouais. Et le AM100S. Alors, le poids de chaque vélo. Le poids de chaque vélo. Est-ce que tu peux nous rappeler le prix? Parce que tu n'as pas dit le prix sur tout. C'est vrai que je n'ai pas dit le prix. Effectivement. Question de ma part. Tu as raison, tu as raison. Donc, je commence par les prix. 1399 pour le AM50S. 899 pour le AM100 Hardtail. Ok. Donc on a baissé le prix par rapport à l'année passée. Avec des meilleurs quand équipements. Même, avec les meilleurs équipements, ça il faut le noter. Habile. Merci Fred.
Et on est resté à 1599 pour le M100. Donc ça, ça va bouger. Ça va bouger. Ok. Voilà pour la... Voilà pour les prix. Pour le prix. Sinon, sur le poids. Alors, première chose, sur le poids, c'est quand même un point important qui nous différencie de la partie cross-country, ouais. Dans laquelle le poids est quand même un élément super important parce que bah, qui dit cross-country dit un peu performance, dit rendement, montée, dit il faut que je mette le moins possible de temps. Sur notre programme, c'est un peu moins vrai. Donc, le poids, il est clairement pas un élément prioritaire, prioritaire dans la conception. Dans tous les cas, pourquoi ? Parce que bah, on a des composants plus robustes, on a des composants un peu plus surdimensionnés pour justement réagir et assurer les phases de pilotage. Sur la M Hardtail, on est. Après, je ne connais pas le poids dans toutes les tailles, je suis désolé, surtout qu'il change de dimension des roues, mais on est à 13,3 kg sur le taillant M pour le Hardtail. Ouais. On est à 15,5 kg sur le 50S et on est à 14,8 kg sur le 100S. C'est noté, Raph. On passe à la question suivante. Quelle est la différence de géométrie entre le M100S de 2018 et celui-ci ? Ah, celui de 2018. Bien sûr. Bah, alors, là, pour le coup, oui, il y a eu, même si au niveau esthétique, parfois, on dit, ah, vous avez changé la couleur. Bah non, pour le coup, par rapport au modèle 18-19, le modèle du 2020-21, il y a une géométrie différente, clairement. Qu'est-ce qui a changé ? En premier lieu, l'angle de direction. Donc, c'est un angle de direction plus ouvert, justement pour être plus orienté pilotage, ouais. Pour avoir une meilleure stabilité, pour avoir un meilleur engagement dans les virages. Donc, il est passé à 166 degrés. Le reach, c'est, si je fais simple, la longueur du vélo. Donc, est-ce qu'il est plus ou moins reach, d'ailleurs, ça voulait dire atteindre. Oui, atteindre, mais effectivement, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais en tout cas, c'est la longueur du vélo, en parité des tailles. Donc, le M100S 2020-2021, il est un peu plus long. Justement, c'est pour ça que vous retrouvez aussi un cadre un peu plus long avec une potence plus courte et un angle de direction plus ouvert. Tout est fait pour favoriser le pilotage. Clairement. Une autre question, alors dans le futur peut-être, à quand un gros enduro ? Bah, cette question, je me l'attendais. Le sourire au coin, tu sais. Bien évidemment, Fred. À quand le gros enduro ? Bah, c'est une nouveauté que j'aurais aimé présenté pour 21, mais malheureusement on est un peu en retard pour les raisons que je vous ai dit au départ. Il y a une volonté. c'est plutôt subi, mais en tout cas on y travaille. D'ailleurs, ouais. C'est rassuré parce qu'on a reçu quand même des premiers protos que justement Quentin Derbier est en train de rouler. C'est lui le premier. Moi je fais un petit. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent rouler sur des prototypes, il faut le savoir. Parce que ça reste quand même des prototypes, bien donc il y a vraiment l'équipe de conception qui peut rouler dessus. Donc moi souvent, soit moi, soit l'ingénieur, les ingénieurs produits, on fait un petit tour de réglage, on va dire, pour vérifier que tout est bon. Et après, on les confie à Quentin qui va vraiment les mettre sous stress, nous faire tous les retours qu'il faut pour avoir un vélo qui soit au top, tant dans le choix de réglage de composants. Tant sur les feedbacks des choix de conception qu'on a fait en amont. Donc on y travaille et voilà. Coming soon. Le gros enduro, en tout cas ça fera plaisir à voir puisque ça sera aussi un signe de l'évolution de la gamme All Mountain qui est en train de se créer, il y a tout à faire quelque part. Excellent. Et ça doit être génial comme job au quotidien, en tout cas je pense que pas mal de monde doit t'envier. Et c'est plutôt un bon signe. On a terminé la phase de questions-réponses. Je te propose de nous faire peut-être une conclusion sur la partie vélo avec quelques tips de réglage, quelques rappels d'entretien. Alors pas effectivement, il faut laver son vélo, le glacer, voilà. Mais quelques tips peut-être bien spécifiques au All Mountain et au vélo que vous proposez. Ouais. Alors, c'est une très très bonne suggestion. Suggestion. Pourquoi je dis ça ? Parce que peu importe le vélo que vous avez, s'il n'est pas bien réglé, ça marche pas quoi. Ça marche pas. D'autant plus All Mountain, on est d'accord. Tout type de vélo, mais effectivement, d'autant plus un vélo qui est censé qui est être piloter, performant quoi. Piloté quoi. Tout à fait. Première chose que je vous conseille, les pédales
Il y a ceux qui choisissent de rouler avec des pédales plates et ceux qui choisissent de rouler avec des pédales automatiques. Il y a deux écoles. Donc, il y a deux écoles, chacun la sienne. Déjà en équipe, dans l'équipe, chacun il a son avis. Moi, je roule avec les deux, ça dépend quand, mais il y a que ceux qui roulent que avec des plates et ceux qui roulent avec que les clips. Donc, premier choix à faire pour bien l'adapter à soi-même. Ouais. Et avec les bonnes chaussures qui vont avec, clairement. Deuxième chose, bien penser à régler la pression des pneus et surtout les suspensions. Les pneus, d'abord, c'est un conseil que je donne toujours, passer en tubeless. Si vous avez un usage un peu plus engagé, ouais, c'est super important. Parce que ça vous permet quand même de clairement, réduire, de baisser l'impression s'il faut, d'avoir plus de grippe, d'avoir moins d'écrévaisons, d'avoir clairement plus de rendement et performance. Tout à fait. Donc, première chose. Et après, choisissez la bonne pression par rapport à votre poids, à votre parcours et à votre style de pilotage. Même si moi, je pèse un peu plus, par exemple, qu'on parlait tout à l'heure avec Charles ou Richard. Bah, eux, ils ont un style de pilotage qui est plus agressif que moi. Ouais. Ils ont besoin de gonfler un peu plus le pneu. Ouais, c'est normal. Fait, ouais. Donc, passez un peu de temps à choisir la bonne pression dans vos pneus. En général, un peu plus à l'arrière qu'à l'avant. À l'avant, on peut dégonfler un peu plus parce qu'on a moins de poids dessus. Autre point super important, Fred, c'est les suspensions. Donc, absolument. Fourche si vous êtes sur un hardtail et fourche amortisseur si vous êtes sur un tout suspendu. Ça, c'est super important. Régler votre sag, il s'appelle comme ça. Donc, en gros, c'est de combien il s'enfonce la suspension à sec. C'est-à-dire, quand vous prenez le vélo, vous montez dessus, vous avez quelqu'un qui vous aide juste à rester en équilibre. Il y a un petit O-ring qui est dans tous les. Exactement, qui permet de venir mesurer. Et normalement, là aussi, ça dépend du style de pilotage et de votre parcours. Mais globalement, en usage AM, vous restez entre 25 et 30 de sag. Dans la même zone de sag. Globalement. Ouais. Après, c'est qu'ils mettent un peu moins, un peu plus. Mais globalement, si vous restez entre 25 et 30 de sag, vous êtes bien. Et c'est déjà un bon réglage du départ. Si vous avez fait ça, vous partez rouler avec les pédales que vous avez choisies, la bonne pression des pneus en tubeless et les suspensions bien réglées. Et déjà, vous avez des bons repères pour après, au fur et à mesure, régler et les adapter à votre usage. Et pour finir, en fonction du profil terrain, de la météo, du revêtement, de l'humeur du jour, est-ce qu'on déjante, est-ce qu'on déjante pas. Ça serait que le grand duro, ça, du coup. Ouais. D'autres tips, peut-être, Raph, sur. Il me semble qu'on peut retrouver un site internet support développé par Outsider où absolument. Il y a toutes effectivement les tips absolument. De manière générale, absolument. La Bible. Et toi, tu parlais tout à l'heure comment laver le vélo. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Et, puis cette année, en plus, Robin, notre collègue qui s'est occupé de ce site cette année, il a fait de façon bien exigeante, comme je l'ai dit. Et il a fait un super taf. Vous retrouvez tout. Comment bien laver le vélo jusqu'au comment régler le sag ou faire des entretiens un peu plus poussés avec les liens qui vont bien vers RockShox pour les suspensions, vers Shimano pour les freins ou vers SRAM pour les transmissions. Bref, vous retrouvez tout qui est bien détaillé et vous rentrez site support Decathlon. Vous cliquez sur le modèle que vous avez et vous avez toutes les informations. Et si vous manque quelque chose, vous nous contactez, on va améliorer la chose, c'est un peu le but. On t'envoie un texto du coup, Raph, directement. Bah, pas en texto dimanche, direct, mais on... Je plaisante évidemment. Et ça, du coup, ce site est valable pour la rando, le cross-country et le absolument. Mountain, pas que pour le mountain. Absolument. Mais de manière générale, pour tout ce que vous développez chez Rockrider. Rockrider. Eh bien, ça fait une belle conclue pour la séquence vélo. Je te propose maintenant de passer en mode textile. Textile, que veux-tu nous présenter effectivement, qui va être effectivement du textile différent de la rando du cross-country, mais adapté au All Mountain. Yes. Bah alors, première chose. Bah étant donné que tu parles de textile. Ouais. C'est pas de nouveauté, c'est quelque chose qu'on a lancé l'hiver qui vient de passer, mais qu'ils ont. Vous dites en France cartonné, mais bon bref. On dit cartonné aussi. Ouais, vous dites ça aussi. Je crois que c'est français d'ailleurs ce terme. C'est français. Pas, à mon avis, ça va pas être très italien. Bon, okay. en tout cas, qu'ils ont bien fonctionné. Ils sont justement la veste. On peut les voir d'ailleurs dans le sur dans le mannequin qui est juste ici, ouais. Qui est juste là. La veste et le pantalon. Donc ça, c'est ton équipement winter en fait hiver. Oui.
hiver, pluie en général. Pluie avec Voilà, le flux que temps tu peux pluvieux. mettre aussi. Si tu es dans les Alpes ou dans les Vosges, même en été, mais En ce tu prends moment, un tu veux gros dire? Ouais, orage, tout à fait. je pense que tu es bien content d'avoir quand même une veste de La pluie. couverture, la protection. Exactement. C'est des produits développés justement de façon spécifique pour le VTT et pour l'usage plutôt pilotage. Vous retrouvez des détails comme le zip. Je ne sais pas si ça se voit bien, vous me dites en régie, hein. Sinon je m'oriente On sur va prendre le le temps de buste. Hein. cadrer effectivement Voilà, en tout cas, les éléments que tu veux nous montrer. vous retrouvez déjà un zip qui est asymétrique pour ne pas vous gêner pendant le pilotage, clairement, même quand tout est fermé. La capuche, elle peut être. On le voit peut-être un petit peu mieux effectivement la symétrie du zip sur le mannequin. Si on peut faire peut-être un focus sur le mannequin, on voit bien le zip qui passe Voilà, exactement. à côté Même pour nous, du cou quoi. on a la Pour la barbe, barbe, tu veux il n'y dire, a pas de souci. La capuche, elle peut monter au-dessus du casque, donc vous n'avez pas de gêne. Et même si vous ouais. avez justement votre capuche, vous pouvez avoir un champ de vision bien dégagé, justement pour piloter sans problème en descente dans toutes conditions. Et après, il y a les manches aussi qui ont une sorte D'insert. c'est un manchon en fait. Ok. Qui vous permet de ne pas faire entrer l'eau, d'être un peu plus confortable. Et quand il pleut vraiment, vous pouvez le retourner et vous avez clairement une partie qui est couverte. Et du coup, vous n'avez pas ce qui est parfois ça dérange avec un peu de vitesse et autres d'avoir l'eau qui rentre par le bas. Donc, il vous couvre vraiment la presque totalité de la main une fois que vous avez le J'ai l'impression que tu as simple. une légère couverture sur le haut de la main avec Exactement, le petit exactement. prolongement qui est juste là, qui me Exactement, permet hein, bien sûr. effectivement de. Ok, on voit bien la protection en plus. Éviter d'avoir les grippes complètement Ouais, mobilisées quand il commence à pleuvoir. absolument. Et c'est en plus un produit membrane, c'est membrane imperméable, donc qui garantit un meilleur compromis entre imperméabilité et Et transpirabilité. Windstopper, Voilà. ouais. Ok. Non, mais Resistant Pair, c'est vraiment que pour le vent. Là, on est D'accord. vraiment pour Sur les deux, quoi. la pluie, La pluie. en membrane. Donc c'est un produit qui a été lancé il y a 6 mois, qui a très très bien fonctionné. Et avec, on a les pantalons. Là on a justement une partie qui est stretch, un composant qui est stretch, d'ailleurs qui est le même composant que le short d'été, donc qui est déperlant, résistant à l'abrasion et surtout à la végétation. Et la partie basse des jambes, donc tibia, et l'insert derrière les fesses, donc les endroits qui prennent plus de Le plus de boue, plus frottement de ou plus de frottement contact. et aussi de pluie, qui sont vraiment en tissu en membrane imperméable. D'accord, renforcé du coup sur ces points de Exactement. contact-là. Et là aussi, ça par exemple, je parlais avec mon collègue anglais, ça a été le produit le plus vendu en Angleterre cet hiver. Tu vas pas me dire qu'il pleut tout le temps en Angleterre quand même. Versus Non, sur l'Italie, mais quoi. en tout cas, il était content de l'avoir. Ça Il n'empêche était pas de content de rouler en l'avoir. pantalon quand il fait sec, Ouais. généralement c'est. Et petite astuce, justement, avec ces deux produits qu'on voit là, donc pour la pluie, on a aussi développé ces sur-shorts imperméables. C'est un sur-short du C'est un coup. sur-short. Justement, là, vous voyez, Est-ce que tu l'as peut-être on a en. vu tout à l'heure, cette partie-là, elle est déperlante, Ouais. mais par contre, elle n'est pas imperméable. C'est-à-dire Donc, qu'au bout d'un certain temps, tu rentres quand même trempé, quoi. exactement, exactement. Commence à rentrer, Ça, quoi. pourquoi on l'a fait? Parce que le pantalon, on ne le met pas juste quand il pleut, on le met aussi quand Ouais, clairement. voilà, on veut avoir soit un peu plus de protection, soit c'est un temps frais. Donc, avoir un tissu imperméable sur les cuisses, ça le rendait désagréable où on n'avait pas tout le temps besoin. En Ouais, plus, tout à on fait. transpirait trop. Ça fait Et du du bruit, coup, ça frotte, ça. exactement. Et du coup, on a conçu ça qui est hyper simple. Et c'est un sur-short. Donc, on peut le déplier hyper facilement. Hop! Vous voyez, c'est vraiment que un short. Vous le mettez au-dessus de vos pantalons. Et ça, donc du coup, c'est imperméable. Et ça, c'est imperméable. C'est un composant membrané. Vraiment, quand ça pleut fort et que t'as pas le Simple fort, choix et vous que tu avez vas. Ok. cette panoplie. Et pour l'avoir testé plusieurs fois, justement dans les Vosges, dans les Alpes, chez moi, au lac des Gardes, et des collègues un peu partout en Europe, même quand il pleut très très fort, vous rentrez au sec. Et ça, c'est quand même agréable.
Donc pour moi, c'est vraiment les produits qui sous lesquels on a fait vraiment un gap en termes de technicité, de pertinence, toujours en valeur prix quand même très très bon, ce qui est notre Dans, ADN. effectivement. Pardon, je pense que j'ai tapé le micro, je suis désolé. qui est notre ADN, avec du coup 90 euros pour la veste, 45 pour le pantalon et 20 euros pour le sur-short, si je ne me Panoplie trompe pas. complète qu'on trouve juste Exactement. effectivement juste derrière. Alors sans le surshort du coup, mais on a bien compris l'usage et l'utilité du surshort en cas d'urgence en fait à avoir Voilà, dans la poche, vous dans le avez sac, vu, effectivement, il est super. qui se met compact Voilà. et qui évite d'attraper un rhume quand tu vas juste faire du Voilà, vélo et. bonne transition Ouais. d'ailleurs. Si vous pouvez partir Avec le rhume avec ou. ça, Ah non, non pas avec le avec rhume, le. Ok, c'est bon. avec un autre produit qui on a lancé il n'y a pas longtemps mais qui a fonctionné très très bien, la banane Yes. ou la Hydra Belt, comme on l'appelle. Donc vous voyez, Hydrabel, c'est le nom que vous lui avez donné, du coup. ouais, Ça, exactement. mais communément appelé la banane. Comme la banane. Et donc vous avez N'hésite pas à la d'autres montrer, composants. peut-être, tu sais, pour qu'on la voit bien à D'autres la caméra. composants. Donc déjà, pourquoi Hydra Belt? Parce qu'à l'intérieur, on a Une poche à eau. une poche à eau qui est à l'intérieur pour boire. Pardon, je ne sais pas si on l'a vu, mais elle est vraiment 1,5 litre à l'intérieur. Hop. Et après, tous les détails faits exprès pour avoir... votre maillon rapide, un emplacement pour votre smartphone, un emplacement pour avoir les clés BTR, bref, tous les outils que vous voulez. Et en plus, j'ai montré tout à l'heure, moi j'ai fait la transvée avec, la transvée bien avec. J'avais en plus la veste à l'intérieur, plus de l'eau, plus tous les Ça produits. paraît petit visuellement, je trouve, sur le rider, ce qui est cool, mais en fait, t'emmènes quand même pas mal de choses. Alors, Versus, tu sais, l'ancien sac à sac à dos. dos Bah, que après, t'avais qui te mettait une couche en plus dans le dos, de transpi, etc. Là, c'est quand même un truc assez light visuellement, et j'ai l'impression que c'est assez light aussi à porter. c'est vrai, c'est vraiment un compromis. Je ne dirais pas que Ça le sac à remplace. dos Ouais. est mort. Ah, non, absolument Sac pas. à dos is not dead. Alors, hashtag. Absolument. Par contre, souvent, nos utilisateurs, ils nous remontaient, nos clients, qu'avec le sac à dos, surtout en été, il avait trop chaud, Ouais. ou encore, ça leur gênait dans les mouvements, dans le Clairement, ouais. pilotage. Parfois des remontées, des choses qui te Et du pèsent un coup, peu. Ouais. là, vraiment, on a quelque chose d'assez compact, qu'effectivement, il se porte banane, qui s'appuie bien au bas du dos. En plus, avec une ceinture réglable, comme tous nos sacs à dos. Donc globalement, je le fais pas parce que sinon vous me pourrissez pour le micro, je pense. Mais ici, globalement, vous avez un réglage rapide, c'est-à-dire que vous tirez ça et vous le réglez Ok, c'est-à-dire que tu hyper peux le rapidement, régler hyper rapidement hyper sur le rapidement, vélo avant même de sur le partir. vélo. Et je prends un exemple, vous partez avec 1,5 litre d'eau. Au fur et à mesure, vous buvez Yes. exactement. Le volume du sac banane, il réduit. Donc, vous avez besoin de le serrer un peu plus pour garder le bon maintien. Avec ça, je peux vous assurer que vous le réglez en En 2 secondes. un simple geste. Et là, c'est à Il y a des petites poches sur les côtés aussi pour mettre les petites barres, les trucs, petite les. poche ici pour accès rapide. Ici, avec l'accroche en aimant pour votre tuyau. Ok. C'est-à-dire que celui-ci, il ressort, vous le mettez autour, là il rentre dedans, hop, après vous buvez, vous le décrochez et après vous le remettez. Ça serait vendu. Cool. Voilà. Vous avez pensé à tout, hein? Et ça, si je ne me trompe pas, c'est à 40 euros, faites-moi signe, c'est bien 40 euros? Parfois j'ai des doutes. En tout cas, c'est dispo sur le site internet. Oui. On peut aller consulter le prix. Globalement, tous les produits sont pas tous en stock, mais ils vont être tous dispo. Ils sont tous consultables. On a l'ensemble des informations techniques qu'on peut retrouver sur le site internet de Oui, Decathlon. absolument. Absolument. Quoi d'autre? Partie textile. On a quelques questions ensuite. On va faire un mix textile vélo. Il y a quelques questions vélo qui sont revenues. Hein, n'hésitez pas encore à poser des questions. Peut-être pour terminer sur le textile avec quelques pièces en plus. Textile, ce que je peux vous montrer, d'ailleurs, le deuxième, il est là. Les gants sont clairement
spécifique là aussi pour un usage. Puis-je tester? Ouais, bah c'est les deux mêmes mains. Non. C'est très juste pour moi, donc attends, je pense que ça va pas rentrer. Mais je vois écrit des trois os du coup sur. Oui, exactement. En fait, vous avez un insert ici sur le haut de je sais pas comment ça s'appelle en français des phalanges. Des phalanges, voilà. Ouais, effectivement. En italien, c'est nocche. Donc comment tu dis? Nocche. D'accord. C'est pas la même chose. Donc une protection ici, effectivement, avec des trois os. Donc c'est clairement un composant qui permet de qui est très souple, donc quand vous l'avez qui permet de se battre avec tout type d'ours, des grizzlies, des ours bruns, des... et quand vous tapez ouais. Quand vous tapez, fait pas trop fort quand même par rapport au micro. Quand vous tapez, normalement vous avez ces composants qui durcit, et donc cool. Vous assure une protection plus forte, voilà, c'est un gant qui est fait spécifiquement pour avoir une plus forte protection. Il est bien fité justement, tu as l'impression qu'il va bien rester sur la pomme. Le problème que tu peux avoir en pilotage, c'est que justement ça se plie un peu et ça vient te créer des cloques parce que le gant est trop lâche. Là, on sent qu'il est quand même bien fité. Là, en fait, vous avez ici une paume qui est faite justement pour avoir une adhérence maximale. Yes. Vous avez des surprotections ici. Ouais. Pour justement en cas de chute. Tu as de quoi te moucher ici. Tu as aussi exactement un composant. Mais, rigole pas, mais c'est super important. Ah oui, oui, tu as raison. Mais... T'as raison. Ici, c'est effectivement un composant qui est plus doux, ouais, pour se moucher. Et la partie haute, le composant qui est sur la partie haute de la main, il a un tissu très léger, justement pour rester respirant. Ventilé, ok. Et ventilé. Nice, cool. Voilà, avec toujours une petite astuce qui est ici, tu le vois, Fred? Tu peux accrocher tes deux gants ensemble. Donc là, tu as besoin que je te rende ce gant pour montrer. Par exemple. Hop. Et donc ici, vous avez les gants qui sont ensemble. Donc c'est assez pratique et c'est hyper simple, sympa. Et petite astuce aussi, ça, il y aura des collègues qui seront contents de ça. On a choisi justement d'enlever tout ce qui est marquage sur ce produit. Ok. Dans une démarche plutôt d'éco-conception, c'est-à-dire que là, vous voyez les marquages qui sont, ils les appellent embossés, c'est-à-dire que c'est la matière. Collé ou non, peint. Non, il n'y a rien de collé, pas imprimé. Est-ce qu'on peut le voir? Je ne sais pas si on peut le voir, c'est suffisamment. On le trouve là et là. Donc, je pense sur cette caméra, on va pouvoir le voir, l'embossage. Est-ce que comme ça va à la lumière? C'est plus durable et moins polluant, donc c'est une démarche qu'au fur et à mesure, on va retrouver sur plein de produits. Ok, et je trouve que ça apporte, mine de rien, plus de sobriété, tu sais, sur le produit. Je trouve que c'est en plus joli, quoi. En plus. Le noir, ça passe avec tout. Il y aura que du noir ou il y aura des déclinaisons? Non, il n'y aura que cette couleur-là, en noir avec petite touche des trois os en orange. Mais sinon, c'est vraiment le gant Rockrider AM avec ses finitions. Raph, on fait signe qu'il faut qu'on passe aux questions. Le timing s'accélère. Je te laisse quand même un dernier produit, short ou maillot? Le short, je pense que pareil, best-seller. Là, on a fait une petite modif par rapport à l'année passée, ouais, parce que c'était un produit qu'on avait lancé en 2020. Okay. La modif, elle est sur la partie arrière, donc sur la partie des fesses, on va dire. On a choisi justement après les premiers retours, ils nous avaient dit attention parce que là où il y a plus de frottement et plus de boue, le composant, il peut se détériorer. Il n'y avait pas tous les clients qui nous l'ont remonté, mais on s'est dit pourquoi pas aller plus loin. Et donc on a changé les composants que vous retrouvez ici. Et sinon, le reste, c'est effectivement comme le modèle 2020. Donc avec une ceinture, non, j'ai dit une bêtise, il y a aussi une autre. La hauteur de la ceinture, c'est-à-dire qu'on a réduit un peu la hauteur de la ceinture qui était un peu plus longue sur le modèle 2020. Donc tout ça pour améliorer encore plus le confort, le maintien. On retrouve toujours ici le composant qui est, on va dire, travaillé pour avoir une aération plus forte. Le double réglage avec des boutons. Chose importante, il y a beaucoup de gens qui posent la question pourquoi il n'y a pas des velcro. Clairement, dans tous nos produits, vous voyez, il y a zéro velcro. Okay. C'est un parti pris, c'est un choix de conception, parce que le velcro, il se détériore vite. Dans les lavages, il s'accroche partout et il détériore encore plus vite tous les autres produits que vous lavez avec.
Les maillots, les jerseys. Les maillots, les jerseys, tout le reste. Donc, c'est un parti pris de ne pas avoir de scratch. De scratch, merci. Dans tous nos composants. Donc, sur nos gants, c'est vraiment le composant qui est élastique. Sur les shirts, il y a pareil la ceinture qui est élastique, plus les boutons qui sont eux aussi faits pour régler. Donc, clairement, c'est un choix de conception. Bon, après, je n'ai pas tout dit sur le produit, mais... Non, mais je t'en prie. Voilà, petite poche poubelle pour ne pas jeter dans la nature. Pour ne pas jeter le blister. Exactement. Mmh. Ça, c'est important aussi. C'est simple. Et à l'intérieur de cette poche droite, vous avez une deuxième petite poche qui vous permet... La poche dans la poche, du coup. Une poche dans la poche. Après, je ne l'ai pas sur moi. Il vous permet de mettre votre smartphone... Bien calé, bien calé. Qu'il vient de bouger. Exactement. Et là, ça ne vous gênera pas pendant même un pilotage assez poussé. Rien ne bougera. Très bien, Raph. On en termine sur la partie textile. Je te propose de passer aux questions-réponses. Allez, on a allons-y, une première Fred. Question. Je pense que ça va être un mix textile et puis quelques autres questions qu'on n'a pas pu prendre à temps dans le vélo. Comme ça fera une question-réponse un peu générale sur ce live. Ça sera pas plus mal pour conclure ce live. Question de Joao Massa Ferreira. Il fait exprès pour que je galère à prononcer sans. Y aura-t-il une gamme de protection Rock Rider, style genouillère, coudière, dorsale, etc., etc. Oui, on y travaille. Il sera pas disponible en 21. Je pense pas en 2022 non plus, mais on y travaille. J'ai entendu parler d'une. Enfin, j'ai pas le droit de le dire peut-être de ce qui se passe. J'ai rien entendu du tout. Mais on y travaille. J'ai entendu discuter tout à l'heure. On y travaille. J'ai mes notes. Y aura-t-il plusieurs couleurs de cadres? Cette année, non. Les cadres que vous. C'est déjà galère d'avoir des vélos. Donc, c'est déjà bien avoir des vélos cette année. T'as raison, Fred. Non, mais c'est vrai, autant être sincère, mais. C'est vrai quoi. Les couleurs c'est que vous voyez ici, donc le MA Hardtail il sera en blanc. Ouais. Le 100S il sera en bleu cassé. Ouais. C'est un bleu. Moi je dirais un peu indus. Des années 60, des motos, des voitures italiennes. Ouais. Voilà. Ah, référence à l'Italie. Et le 50S, c'est en gris. Là, c'est un peu en contre-jour, mais c'est un gris. Non, il n'y aura pas plusieurs couleurs. C'est ça ou rien. Ça marche. On enchaîne sur la prochaine question, du coup, rapidement. Fabien Marius qui nous demande s'il y aura des axes rapides pour les roues. Alors, je ne sais pas ce qu'il entend exactement par axe. Alors, tous nos vélos, ils sont en axe traversant, ouais. Déjà. Ouais. En standard boost. Plutôt rapide quand même. Alors le rapide. C'est pour ça que je sais pas trop. Ça dépend de ce qui. Parce que en fait dans des termes techniques, il y a ce qu'ils appellent les quick release. Donc à l'ancienne. Effectivement l'ancienne, mais c'est un autre standard. Voilà, c'est ça. Par contre, effectivement, ça existe sur les marchés, même en axe traversant et en standard boost, des solutions dans lesquelles tu n'as pas besoin d'outils. C'est peut-être ça qui... Surtout sur les roues avant avec le loquet, voilà, comme on avait exactement. Sur l'ancien standard. Si c'est ça qu'ils demandent, non, nos vélos, ils auront je pense que c'était ça. Que de clé BTR, donc d'accord. Une clé BTR de 6. Ouais. Dans pour l'avant et pour l'arrière, du coup. Pour l'avant et pour l'arrière, vous sortez l'axe traversant à fourche ou à l'arrière sur le cadre et c'est parti. C'est rapide, mais par contre, il faut la clé, le multi-outil. Donc Fabien, c'est rapide avec la clé. Et ça sera peut-être encore plus rapide plus tard avec le Grand Enduro. Clin d'œil. Peut-on rouler en bike park avec le AM50S Canoui? Alors, il n'est pas conçu pour. Tu recommandes pas de le faire? Non. Après, on pourrait rouler avec un vélo de ville en bike park, c'est pas un problème. Mais, oui, j'ai déjà vu ça aussi. J'ai déjà vu certainement ça aussi. Après, dans chaque bike park, il y a des pistes vertes, bleues, rouges et noires. Donc, je peux vous dire que si vous voulez faire du piste verte et quelques bleus pour commencer, pourquoi pas, mais toujours tranquille. Après, si vous avez un niveau d'engagement plus élevé, vous commencez à faire du rouge, du noir, non, c'est pas la peine. Il n'est pas conçu pour, ni pour la robustesse, ni aussi pour les performances. Donc, c'est comme si vous voulez
faire un tour de circuit à la place qu'avec une voiture de course avec une Clio. Elle n'a pas été conçue pour. Ah, vous pouvez y aller, mais ça vaut très risque et péril. Donc c'est pas recommandé en conception, ça vaut risque et péril évidemment. Pas de M500S cette année. Alors, que, du coup, le modèle. Alors, le M500S, c'est un modèle en édition limitée qu'on a lancé en 2020. 20. Même cadre que le 100S, il y avait des composants plus premium. Il y avait un upgrade surtout suspension, frein, tout. Suspension, frein, transmission. Transmission, roue, la totale. D'accord. Cette année, on a choisi de ne pas les faire. Rappelez-vous ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que ces produits-là, on les a sélectionnés, choisis et lancés en plein confinement de pandémie. Donc, c'était avril. Avril de l'année passée, donc donc nickel, voilà, la M500S, on l'avait pas sélectionné, et en plus il devait arriver le modèle, on va dire plus typé enduro, qui est pas arrivé, donc non, cette année il y aura pas de M500S dans la gamme. Il y aura entendu. Ces trois modèles. Très bien, on va parler, c'est la dernière question de la séquence questions-réponses. On parle plutôt matière. La question nous demande si il y aura un cadre acier, voire titane, soyons fous, hardtail et quid du carbone pour les autres modèles. Alors, il n'est pas en programme d'avoir de l'acier ou du titane à court terme. Après, je reste très ouvert sur les solutions techniques de l'avenir. C'est un style de discussion italienne ou pas du tout, rien à voir, non ? Rien à voir avec ton... Non. On va dire à court terme, non. Ni acier, ni titane, comme je dis, dans les deux prochaines années. Voilà. Par contre, on travaille sur des modèles en carbone dans le futur, sur le programme All Mountain en général. Qui seront des éditions limitées ou plutôt... Non, mais voilà. Souvent, les éditions limitées en plus appellent à de la série, quoi. On l'a vu sur le cross-country, souvent, l'édition limitée profite ensuite au cadre de série sur le cross-country. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise pas mal des fois comme solution pour lancer des nouveaux modèles, quoi. Raph, on glisse doucement vers la conclusion. On va pouvoir remercier ceux qui nous ont suivis. Avant, est-ce que tu as un mot, un dernier message à faire passer de manière générale sur le All Mountain aux gens qui nous regardent ? Alors, c'est une des questions que tu m'as posées tout à l'heure qui m'a fait dire ça. Cette année, notre gamme, elle est vraiment orientée pour soit accéder à la pratique pilotage, soit, on va dire, à arriver à progresser. Comme sous la M100S, mais clairement, c'est pas une gamme qui est faite pour taper des dents, comme on dirait. Ça, on y travaille, ça va arriver dans le futur. Mais ça, c'est super important d'avoir commencé comme ça, parce que je pense que c'est dans notre ADN, Decathlon, Recreator, on veut rendre accessible le sport, la pratique, dans notre cas, on veut rendre accessible le pilotage, à la fois avec des prix. Avec un rapport valeur-prix exceptionnel. Et du coup, pour moi, il fallait commencer par ces modèles pour rentrer dans les games, comme on dit. Fur et à mesure, clairement, c'est la volonté d'avoir de vélos pour des pratiques plus engagées, pour des pratiquants qui engagent plus de pratiquants un usage plus intensif et un style de pilotage plus engagé. Donc ça, je préfère monter en puissance au fur et à mesure plutôt que... Que de d'aller trop vite et effectivement de faire une erreur de pilotage dans tes conceptions de gamme. Absolument. Voilà, on termine du coup notre live sur un jeu de mots hasardeux de ma part. Et en tout cas, on espère que vous étiez nombreux à nous suivre, que vous avez passé un bon moment ici dans les Vosges. Nous, on va pas se le cacher, on va aller rouler un petit peu à l'issue de ce live, se faire plaisir de profiter de ce beau paysage et ce beau relief que nous offrent les Vosges. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard. Restez connectés sur les réseaux sociaux pour connaître les dates des prochains lives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver un petit peu plus tard. On vous souhaite une super soirée, un bon ride et on vous dit à bientôt. Bye. Ciao, ciao. Cool, Fred.